de savoir que Emma est proche de la qualité sexuelle. La crête sur le crâne de ce jeune paradéologique est maintenant bien développée. Les cornes de ce triceratops ne sont plus de petits oscillés pointant vers l'arrière, mais de dangereuses armes dressées vers l'avant. L'ambulateur, lui, compte sur son éclairage sur les deux. Les deux apportent leur équipe pour les armes à la les herbivores du Crétacé ont tous un contrat sur leur tête. Et les carnivores, génération après génération, développent des... Ces bêtes étaient taillées pour le combat. 165 millions d'années d'évolution ont doté ces géants préhistoriques d'armes, de défense et de sens aiguisés qui feraient honte aux animaux modernes. Une imagerie à la pointe de la technologie nous permet d'explorer en profondeur l'intérieur du corps d'un dinosaure et nous révèle comment l'évolution les a rendus plus forts, plus intelligents et plus résistants. Le plus grand mystère reste de savoir comment ils ont pu régner sur la planète pendant aussi longtemps. Stratégie de plus en plus efficace. Face à eux, les herbivores tentent, au gré de leur évolution, de rester à la hauteur. En grandissant ou en développant des armures, en vivant en troupeau ou en se reposant sur des sens affûtés pour prendre la fuite avec un temps d'avance. Herbivores et carnivores se livrent à une course effrénée à l'évolution. Le T-Rex a été conçu par sélection naturelle pour une seule. Sa proie, un triceratops. 6 tonnes de muscles protégés par de redoutables cornes formant un million d'arbres. Autant de triceratops en un milliard. Ils sont plus capables de faire fuir les plus petits carnivores. De se reposer dans le